Carlo Ancelotti avertit ses joueurs avant le match retour de Ligue des Champions contre Chelsea. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Carlo Ancelotti et du Real de Madrid. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici on parle de foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est pour une partie. Alors, le Real de Madrid a battu Chelsea 2 buts à 0. Et Carlo Ancelotti reste prudent. Il reste prudent parce que selon lui, la qualification du Real de Madrid pour les demi-finales n'est pas encore acquise. Il fait appel à ses joueurs d'être concentrés au match retour. Il avertit ses joueurs. Mais moi, je veux dire une chose à Carlo Ancelotti, les gars. Ce Chelsea est trop faible. Si c'était le Chelsea d'il y a peut-être 2 ans, je pouvais y croire. Je pouvais peut-être dire qu'effectivement, Carlo Ancelotti a raison. Il doit être prudent, il doit être concentré. Le match n'est pas encore fini. Mais ce Chelsea-ci est trop fait. Pour moi, le match est plié. Le match est plié pour moi. Oui, ce n'est pas bien dans le foot de le dire, mais quand je vois ce Chelsea, les gars, je ne vois pas par quel miracle Chelsea peut revenir, les gars. Je ne vois pas un miracle, je ne sais pas comment il peut revenir. C'est très faible. C'est trop faible, les gars. Trop faible. Donc, le Real de Madrid peut dormir tranquillement. Ils sont qualifiés pour les demi-finales. Ils sont qualifiés pour les demi-finales. Si c'était le Chelsea, il y a peut-être 2 ans, le Chelsea de Thomas Tuchel, etc. Là, au moins, je pouvais y croire. Je pouvais peut-être dire que peut-être il peut y avoir un sursaut d'orgueil avec le public de Stamford Bridge. Peut-être Chelsea peut renverser la vapeur, etc. Mais ce Chelsea est hyper faible. Je ne sais pas comment ils vont faire. Ils n'arrivent même pas à trouver un 11 entrant. Chelsea permet son 11 tous les matchs. Ils n'arrivent même pas à trouver un 11. Tellement ils ont les joueurs. Tellement ils ont dépensé bêtement. Tellement ils ont acheté les joueurs bêtement. Les dirigeants qui sont à la tête de Chelsea ils ne connaissent pas le foot. Ils ont fait des dépenses à tort et à travers. Donc je ne vois pas comment Chelsea peut renverser avec ce bazar, ce désordre, avec un coach inexpérimenté. Donc, pour moi, le Real sera qualifié pour les demi-finales. On aura une demi-finale, Manchester City ou bien Real de Madrid, Manchester City. Parce que le match aller, ça sera le Real qui va acquérir City. Donc, voilà ce que je voulais partager avec toi. Donne-moi ton retour en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Sinon, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.